Alors, pied de mare, parce qu'il y a une époque assez lointaine où il y avait la mer ici. Donc, pied de mare au pied de la mer. La mer au pied des Cévennes. Et la mer au pied des Cévennes, tout à fait. D'accord. Et revenons à cette semaine bleue. Alors, comment se passe-t-elle? Eh bien, donc, la semaine bleue, c'est une semaine qui est organisée au niveau national, donc du 2 octobre au 8 octobre, avec des animations le matin et l'après-midi, avec cette année comme thème le goût et l'intergénération. Il y a eu déjà lundi une rencontre avec un conteur et un chanteur avec les enfants et les personnes âgées. Oui, le mardi, nous avons eu une inauguration de cuisine parce qu'on fait une cuisine thérapeutique. Donc les résidents, on a inauguré la cuisine et les résidents ont préparé des amuse-bouches pour ce midi, pour la réception officielle avec le conseil d'administration. Donc aujourd'hui, réception du conseil d'administration avec cet après-midi un loto. Le jeudi, nous aurons aussi des intervenants, chanteurs. Vendredi, il y a le repas. Alors là, c'est très important, c'est le repas à thème, c'est un repas sur la mer. Et le dimanche, il y a le cocktail, il y a le mini Olympia, c'est des chanteurs qui vont intervenir, des intermittents spectacles qui vont intervenir toute l'après-midi. Alors ça se passe très bien puisque ça se déroule du 2 au 8. C'est surtout important parce que c'est des rencontres intergénérations avec des animations différentes, de la musique en passant par les lotos, cinéma. Bon, cinéma, c'est pas des westerns, hein, mais c'est surtout pédagogique. Donc, nous avons eu l'histoire de la soie, on va passer par la transhumance, et ça, tout ça avec des élèves, avec un débat ensuite, et un gros loto là qui va pas tarder. Voilà, vous allez avoir un aperçu à l'image grâce à HWM. Mais la semaine bleue, ça fait presque 27 ans que je la fais. Et toujours avec autant d'enthousiasme, et puis encadré d'une bonne équipe, et surtout avec mon ami Michel Chiari, qui est le coordinateur de cette maison de retraite de la région et qui s'occupe de l'animation. Et voilà, et non, je suis très ravi. Cette année, on a une bonne équipe, sans oublier surtout le personnel qui travaille au sein de la structure, dans l'EHPAD. Ça, c'est important, en passant par les aides-soignants, infirmiers, services cuisine et puis secrétariat, et puis tous les gens qui travaillent autour avec nous. Et ça, c'est formidable. Et je tiens surtout à préciser que nous avons quand même des partenaires comme les commerçants qui nous ont aidés à cet événement. D'accord. Et traditionnellement, ça se termine toujours par la soirée Mini Olympia, c'est ça? Mais voilà, alors pourquoi Midi Olympia? C'est, oui, en principe, c'est le cocktail des artistes. Voilà, une émission que j'anime hors de la maison de retraite, puisque c'est sur Radio Escapade, c'est le cocktail des artistes. De là est sorti pas mal d'idées, et des artistes aussi, ils ont l'occasion de venir assister à des événements comme ça. Et il y a 2 ans, j'ai mis des rideaux rouges, et ça m'a fait tilt. Je dis pourquoi on n'appellerait pas ça le mini Olympia? Et donc c'est resté. Je voudrais saluer en premier lieu les résidents. Alors je l'ai fait tout à l'heure, je suis passé vous apporter mon salut personnellement, mais c'est important, c'est un plaisir que d'être parmi vous. Je voudrais saluer bien entendu le personnel de l'établissement, qui est représenté à la fois par Madame Hepster, par Michel, par Fredo et tous ceux qui s'activent en coulisses ou qui ont préparé aussi cette belle manifestation et au-delà, la semaine bleue. Et puis, alors c'est toujours un exercice délicat parce qu'on va en oublier surtout ceux qui se cachent dans les couloirs ou qui n'ont pas pu trouver place dans la salle. Mais le conseil d'administration qui a un rôle important dans la gestion de cet établissement et que j'ai l'honneur de présider, la MFR, les représentants de nos églises cigaloises. Voilà, tous ceux qui sont de près ou de loin, d'ailleurs beaucoup plus de près que de loin, associés
à cette manifestation. Vous dire très simplement, Michel, tu as rappelé tout ce qu'était l'animation. Ben, l'animation, c'est un temps important et nécessaire de notre vie quotidienne. Ceci est votre maison. Vous en êtes les résidents. Et comme tout résident, comme chacun d'entre nous dans nos foyers, il y a des moments de partage, c'en est un. Il y a des moments de loisirs, de détente, c'en est un aussi. Et c'est tout cela que nous avons à cœur tous ensemble de pouvoir continuer et perpétuer. Cette semaine bleue, sous la houlette de Fredo, que je remercie encore tout particulièrement, chef d'orchestre de cette manifestation, avec le soutien bien entendu de Michel à mes côtés. Il y a toute une équipe d'agents, de bénévoles, de partenaires associés. D'ailleurs, la MFR est un partenaire important de la commune. Madame David, sa directrice, nous nous sommes croisés ce matin sur une autre manifestation importante, le Forum des métiers, avec un autre public, un public en pleine activité, un public jeune aussi, mais aussi moins jeune. Et puis là, nous sommes, et avec vous, grâce à vous et avec vous, dans l'accompagnement d'une autre frange de public, nos aînés, nos seniors. Et puis, on pourrait aussi parler d'autres projets que nous développons ensemble. Voilà, donc c'est une journée importante à laquelle j'attache beaucoup de prix, en particulier par rapport au caractère transgénérationnel et aux rencontres qu'elle peut procurer pour chacun des résidents, chacun ayant dans ces échanges, jeunes ou moins jeunes, son expérience, sa jeunesse, sa spontanéité à apporter à l'autre. Et c'est tout ce qui fait, comme je le disais tout à l'heure, la richesse de notre quotidien. Donc, vous remerciez encore une fois toutes et tous. Saluer à nouveau et m'excuser par rapport au fait que je vais devoir vous quitter un petit peu prématurément pour rejoindre d'autres obligations. Saluer donc les résidents, leur souhaiter une excellente semaine bleue à l'image de leur séjour dans cet établissement qui, après des périodes d'incertitude, aujourd'hui trouve quand même toute sa place et un fonctionnement beaucoup plus serein dans le territoire et la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort. Merci à tous. Moi, le saint, je joue du... tam-tam. Du tam-tam avec l'hippopotame. Tam, tam. Moi, l'hippopotame, je joue du tam, 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 tam. Et je mange toutes les bananes que le singe a laissées tomber. Comme je suis dans l'observation, parce que ça fait partie de mon travail, j'ai senti les personnes âgées très réceptives, très attentives. Les enfants, au début, très surpris de voir les personnes âgées. Je pense que les maîtres et les maîtresses ont dû faire leur travail pédagogique. Et c'est à vous, plus tard, vous me direz, il y a eu des bons échos, du travail, voilà, parce que c'était une très bonne sensation, en tout cas, très bonne perception. Je remets la poubelle ici. Maintenant, je suis fainéante. Je fais rien. Monsieur Serrault, alors qu'est-ce que vous pensez de cette semaine nationale des personnes âgées ? Ben, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait pu la refaire. Et maintenant qu'on y est, il faut la faire, il faut y aller jusqu'au bout. Et
Il faut continuer. Bon, c'est du travail quand même, il y a de la préparation. Oui, c'est du travail, il y a de la préparation. Il y a les jeunes filles qui sont ici, des stagiaires. Mm-hmm. Et tout le monde s'est mis en train de faire tout le travail qu'il y a ici qui a été fait, c'est les résidents. Il y a beaucoup de résidents qui participent. Il y en a pas mal de résidents qui participent, peut-être pas tous, mais il y en a pas mal qui participent. Dans la maison du secteur fermé et dans haut, tout le monde y participe, plus ou moins. Et l'animateur, qui est toujours avec nous, qui nous cadre et qui nous fait rire. Voilà. Qui nous donne du plaisir pour tout le monde, pour tous les anciens. Donc cette semaine nationale, c'est positif, c'est que du bien. C'est que du bien. Bon. Ça permet de recréer un lien social aussi, ça permet de voir des gens de l'extérieur, de voir un peu les gens qu'on voit pas forcément, le conseil d'administration va venir, la direction. Surtout de parler de choses avec le conseil d'administration, les familles viennent. Et les cadres qui seront là. Qui seront là. Leur parler de certaines choses qui, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus important dans un EHPAD ? Qu'est-ce que c'est les choses les plus importantes à votre avis ? Les choses qui sont les plus importantes, c'est les cuisines, oui. Les animations. Et les animations. Et les animations, parce que c'est ce qui rend la joie aux personnes âgées. Ça rythme la vie, ça vous permet de créer des liens sociaux, ça permet de... Ça permet de beaucoup de choses. S'évader, ça permet... Oui. Et surtout les sorties que nous faisons ensemble. Donc à partir de lundi, on commence à préparer la semaine bleue pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. Oui, parce que là, il faudra faire mieux que cette année. Il faut toujours faire mieux. Voilà. Voilà. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a fait. Exactement. Il faut essayer d'améliorer les choses. Oui. Merci, monsieur Serron. Je suis bien d'accord. Vous avez besoin de nos mères ou pas? Oui. Parce que sinon, on peut faire nommer les Ferrandelles et Bournides, c'est plutôt rare. Oui, parce que ça fait un moment, je fais plus de films et je viens pour nommer. Pourquoi pas? Alors, on verra. Alors, Ferrandelles, on retrouve des beaux personnages avec Bastien Seigneuré. Oh, mais alors, monsieur Calabru, vous... C'est vrai, il y en a qui a dit, mais surtout, il n'y est jamais. Le premier numéro qu'on va applaudir, c'est Frido, parce que lui, c'est le sacré numéro. Alors, applaudis, Frido. Merci. Merci à Vasquez. Thank you.
souvent. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, pour l'être un bout de miel, l'amour s'est fait. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne nous reste rien qu'un immense chagrin. Alors, vous passez le bras vers ici, pas dans ça, de gauche à droite, hein, on y va, allez.